Mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2020 s'achève. Et avec elle, un bilan incroyable de solidarité. C'est vrai au niveau national et c'est vrai au niveau local. Tous les services publics ont répondu présents. Je veux remercier bien sûr les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, les secours et l'armée qui font un travail difficile et pourtant tellement précieux pour préserver chacun dans sa vie. Et remercier bien entendu tous les professionnels de santé. Tous les services ont répondu présents. Et ceux de l'agglomération ont fait face. Et je veux les remercier. Nous avons mobilisé beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens humains, pour s'adapter et offrir des modes de garde pour les enfants, pour garantir le suivi dans les écoles de musique, pour se mobiliser en faveur du monde économique, poursuite des marchés, paiement rapide, achat local, communication concertée, information partagée, financement des projets, aide au loyer, etc. Oui, nous avons fait face. Nous avons poursuivi nos missions de service public pour l'eau, l'assainissement, les déchets, le transport, le tourisme, l'urbanisme, la lutte contre les violences conjugales, l'agglomobile qui apporte information et connexion à chacun dans un bus itinérant dans les communes. Nos services ont su trouver des solutions pour nos agents et ont su faire preuve de professionnalisme, d'innovation, de réactivité et de solidarité afin de permettre à nos services d'être rendus. Plus de 3500 élèves transportés tous les jours de chez eux vers leur collège et leur lycée. Plus de 1000 enfants accueillis dans nos crèches et 2000 dans nos centres aérés dont le prix dépend des revenus de chacun, ce qui est positif pour le pouvoir d'achat. Plus de 800 élèves dans les écoles de musique. Plus de 25 000 tonnes de déchets collectés et traités. Plus de 35 000 foyers où est distribuée l'eau et bien d'autres choses encore. Que chacun, élu, agent, citoyen, soit ici remercié et félicité. Pour ses engagements, bien sûr. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. En plus de cette gestion, les choix futurs de notre collectivité se préparent également aujourd'hui, en faveur de notre territoire, de notre agglomération du Gard rhodanien. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre, disait Antoine de Saint-Exupéry. Ainsi, nombreux ont été les participants à l'écriture du projet de territoire. Tout ce qui n'a pas été fait en présentiel l'a été en distanciel. La concertation, la co-construction même de ce travail est déjà une réussite par l'ampleur des contributions directes et indirectes qui ont été apportées. Questionnaires, réunions, ateliers, séminaires de restitution, échanges téléphoniques, etc. Nous décidons ensemble avec quels moyens nous exerçons telle ou telle politique publique. L'agglomération de services perdure et l'agglomération de projets se développe. Dans notre projet de territoire, la question environnementale domine et notre agglomération prend sa part face à l'urgence climatique. Le contrat de transition écologique, signé en 2018, est une première marche. Nous poursuivons les efforts et les amplifions, notamment sur la question de la mobilité. En 2021, le plan climat-air-énergie territorial englobe ces réflexions, notamment en repensant nos mobilités. Il faut réinventer notre façon de nous déplacer. Les lignes de transport, la réouverture SNCF de la rive droite aux passagers, le covoiturage, l'utilisation des lignes existantes, les transports à la demande, les voies cyclables, le développement de l'usage du vélo, les véhicules électriques sont autant de sujets sur lesquels nous devons proposer des nouvelles politiques publiques. La protection de l'environnement, ce sont aussi les déchets. Il n'est plus acceptable qu'une partie de nos ordures soit traitée à Toulouse. Il y a là aussi, dans le traitement des ordures ménagères, matière à circuit court, à créer de l'emploi et à faire des économies. C'est un défi immense à relever. L'eau sous toutes ses formes est un enjeu vital. L'eau, ressource dont il convient de sécuriser l'approvisionnement. L'eau économique, celle en faveur de nos entreprises et de nos agriculteurs. Mais aussi celle de la baignade et de sa qualité qui font de notre territoire un lieu prisé des touristes. L'eau
nature, celle qui façonne nos paysages et celle qui parfois déborde violemment ou nous font vivre des périodes de sécheresse intense. Nos programmes de maintien du milieu aquatique sont pensés en faveur de la nature, de la ressource et de l'économie, car tout est lié. Le transport, les déchets, l'eau, trois défis environnementaux majeurs, parmi d'autres, pour notre avenir. C'est bien pour nos paysages, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour l'industrie, c'est bien pour l'agriculture, le tourisme et les citoyens qui vivent ces espaces. C'est notre qualité de vie qui est en jeu. Nous vivons dans une région magnifique, nous devons la protéger, lutter pour l'environnement, mettre en cohérence nos projets, nos développements nécessaires et assurer la conservation de notre nature si fragile. C'est encore plus vrai sur un territoire comme le nôtre, une agglomération qui est rurale et urbaine à la fois. Voilà pourquoi les questions de connexion, de numérique, de fibre sont si importantes. Il s'agit donc de renforcer notre attractivité, permettre aux 75 000 habitants de vivre pleinement notre espace commun, de développer nos économies, nos 9 000 entreprises, nos 27 000 emplois, notre place de deuxième site industriel de la région Occitanie, de promouvoir notre agriculture, notre tourisme. Vous le comprenez, le projet de territoire est en cours et ces questions, et beaucoup d'autres, en dépendent. Je ne veux pas anticiper les choix qui sont devant nous. En revanche, je veux vous assurer de ma complète énergie et de la mobilisation de tous les élus pour faire de ce territoire un laboratoire d'idées, pour construire ensemble notre futur commun. Les défis à relever sont essentiels. Environnement, traitement des déchets, gestion de l'eau, culture, sport, éducation, économie, foncier, enfance et petite enfance, enseignement artistique, musée, piscine, industrie, agriculture, tourisme et beaucoup d'autres choses. Vous le comprenez, je veux laisser le plus grand choix possible à tous afin que chacun puisse se positionner. La participation de chacun est essentielle dans les choix à faire, dans les comptes rendus réguliers à produire, dans les évolutions à proposer. C'est le rôle du Conseil de développement qui se bâtit actuellement avec le projet de territoire, un lieu d'innovation et de proposition. En fait, nous organisons aujourd'hui les possibles de demain. Nous choisissons d'ici ce printemps les choix à déployer sans attendre. Voilà pourquoi un grand discours classique de vœux où après le bilan, les projets sont tracés, je préfère vous proposer de poursuivre notre travail en commun afin que nous puissions dessiner ensemble notre territoire. Ce territoire qui façonne notre quotidien, qui anime notre façon de consommer notre espace, celui qui permet à chacun, quel qu'il soit, de trouver sa place, de fonder sa vie, sa famille et de se permettre un avenir. De la formation à l'emploi, de l'urbain au rural, ce sont des continuités, des échos de l'un à l'autre qui permettent à notre territoire de faire face, de relever ses défis et d'aller ensemble en confiance vers l'avenir en général et vers 2021 en particulier. Voilà ce que je tenais à vous exprimer en ce début d'année 2021. Et je veux, pour finir, vous souhaiter avec force, détermination et sincérité tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que cette année 2021 nous apporte, vous apporte, pour chacun d'entre vous, le meilleur et nous permette de nous retrouver toutes et tous très vite. Vive la République, vive la France et vive l'agglomération du Gard-Audaniens.